Je m'appelle Michel Chable, j'ai 23 ans, j'ai 5 frères et une sœur. Je viens de Courrientrée. J'ai cessé l'école en classe de première, faute de moyens, et je faisais l'élevage. J'ai rencontré mes amis familiales de formation Rural de Nagbeni et ESFT. Ils m'ont aidé à développer mon activité. Premièrement, la MFM m'a fait une formation durant 7 mois et ESFT m'ont aidé avec une subvention pour développer mon activité. Grâce aux subventions, j'ai pu construire ce bâtiment que vous voyez. J'ai payé les équipements mangeoires, abreuvoirs, les pots de chauffage pour installer dans ma ferme et les animaux pour démarrer mon activité. J'ai reçu la formation professionnelle d'élevage des pintades. Cette formation m'a permis de formuler l'aliment pour les volailles, d'identifier les différents types de maladies, savoir comment faire incuber les œufs, comment engraisser les poules. Et elle m'a permis aussi la commercialisation, la gestion de l'entreprise. Je note les entrées et les sorties de l'argent et les bénéfices qui entrent. Je paie les cahiers, les collages pour mes petits frères. Je paie manger pour la famille. Je paie l'engrais pour engraisser les champs de la famille et les jeunes poules pour développer mon élevage. Ma plus grande fierté de cet élevage est que aujourd'hui, je suis le noyau. Je forme les jeunes, je montre les autres du village comment il faut faire l'élevage, comment il faut préparer les aliments, comment il faut entretenir ta ferme pour réussir ton élevage. Aujourd'hui, j'aimerais dire aux jeunes que l'élevage est la plus bonne importante des choses. J'invite les jeunes à venir pour faire l'élevage comme moi. Puisque au Togo, il y a assez de jeunes qui n'ont pas de fonction. Donc, si cela est dans l'élevage, je sais bien qu'ils vont réussir. Et c'est l'avenir.